dans la salle des travaux. L'enseignement principal que nous tirons des élections de mars 78 pour le présent et l'avenir immédiat. Car si les élections entrent à présent dans l'histoire, les problèmes économiques et sociaux demeurent. Le mécontentement et l'opposition populaire à la politique du grand capital ne sont pas moindres qu'avant 78. La droite sait très bien que le rapport des forces politiques, dans le contexte d'une crise qui s'aggrave, laisse peser sur son pouvoir les plus sérieuses menaces, comme en ont témoigné les récentes élections législatives partielles. C'est dire que la perspective du changement n'est pas forcément reportée à la prochaine échéance électorale, présidentielle ou législative. La lutte continue et nul ne peut aujourd'hui écarter l'hypothèse d'évolution de la situation de nature à avancer l'heure des transformations économiques, sociales et politiques dont le pays ne pourra se passer de toute manière très longtemps.